caille qui belle, l'orgue gros ami, frères et sœurs bien-aimés. Temps en temps, yo la gon ti bagay nan bolou. Ou rappelons nan jou passé yo, pays Canada te annoncé yo pral investi 100 millions de dollars dans la police nationale. Eh bien, gen 13 millions de dollars, mesdames, mademoiselles et messieurs, qui dépensé dans l'agence ça. Selon responsable ambassade Canada dans le pays d'Haïti, Sébastien Carrière, li annonce, mesdames, mademoiselles et messieurs, 250 motos achetées pour la police, 300 radios, ensemble avec 10 drones, dans mois qu'ap vini yo la, pour livrer une façon pour que la police capable de gagner plus capacité pour bailler le petit peuple haïtien sécurité. Kose yo pas fini là après la police fin bien chrétien vivant qui était vin réfugié au devant ambassade américaine en bagage lacrymogène et bien mérita bar te mette yon bus disponible moun sa yo transporté yo al mette yo nan lycée Jean-Marie Vincent rete là nous pral ba ou plus détail sous initiative syndicat transport terrestre haïtien. 3 journées grève annoncées dans 10 départements pays a sorti lundi 31 pour arriver mercredi des route qui vini là dans l'idée pour exiger gouvernement doit baisser prix gaz là à 40%. Dirigeant alternatif syndicat pour transport moderne Jacques Anderson de Roche dénonce mauvais foi autorité concernée dans dossier gaz là invite tout l'autre groupe organisé yo pour yo poter coller pour mouvement si là capable yon réussite. Diverses organisations continuent à exiger appliquer décret 9 mars 1995 là sous dossier gaz là. C'est qu'un mouvement politique nous conscient qui m'a des gouvernements faut yo descende prix gaz là à 40%. Parce que prix gaz la descend bien bas dans le marché international. Phénomène insécurité a monté à force journée jodia, c'est une insécurité planifiée pour justifier présence yon force militaire dans le pays d'Haïti d'après dirigeant mouvement Nous Conscient et Ben Skade, qui fait qu'on est insécurité qui est en dans pays a dans intérêt premier ministre Ariel Henry. Il mande population pour tourner ak mouvement bois kalea contre toute qualité gang qui empêchait le marché en dedans pays. Dans un rapport limité d'ailleurs, collectivité Défense Plus recense 600 cas assassinats pendant 6 mois dans l'année 2023. Et bien, mettez sous 271 cas kidnapping, sans compter moun qui déplaçait, qui était caillou à cause phénomène insécurité. Et bien, mesdames, mademoiselles et messieurs, dirigeants organisation doit moun ça dénoncer comportement l'épée vague autorité devant Zak insécurité. Juge Bernard Saint-Ville prête serment mardi 25 juillet comme nouveau doyen tribunal. Premier instance Port-au-Prince, doyen qui remplace dans Pansila Chavan Etienne. Mesdames, mademoiselles et messieurs, bienvenue dans le journal Tout Haïtien Connecté. Foucault Zami Infopar au Sévère qui a présenté édition Sila. Bonjour, bonsoir tout le monde qui j'ennuie. Encore une autre fois, m'a dit merci. Merci parce qu'on fait une confiance pour nous informer. Merci pour fidélité ou avec patience. Merci parce qu'on like, merci parce qu'on abonne, merci parce qu'on partage vidéo. Ça fait nous plaisir en pile. Encore une autre fois, si vous faites tomber sous channel là, pas hésiter à activer cloche notification pour là pour pas rater aucune vidéo. Zami pa ou Foucault. Zami prem bral kay zami loin. Zami pre mbral kay zami loin, yo ti zami loin, c'est l'argent serré. Mes zami pre, c'est couteau de bord, mbral ouè si c'est vrai. Alors, bagay ki bel logue gros zami, ça veut dire là, c'est des amis ça, porte-parole la police, ça t'a parlé matin, hein? Zami international, yo, qui promet la police, pour renforcer capacité la police, pour mener opération, na base gang yo, alléluia, ge bon Dieu. Sous 100 millions de dollars, Canada te promet la police nationale dans le pays d'Haïti, 13 millions de dollars dépensés par haïtien. 13 millions de dollars ça acheter 150 motos, 300 radios, 10 drones. Yo gen pou yo livrer bay la police nationale dans le pays d'Haïti selon déclaration ambassadeur qui c'est Sébastien Carrière nan jou k'ap vini yo la. Et ambassadeur fait konnen gen un nouveau centre commandement tactique pour PNH là qui pral inaugurer nan mois k'ap vini yo la.
Hey! Oui! Frère, ça bien aimé. Fais trois coups de soupinon devant l'Éternel. I love my God. Timoto pour la police. La police manque communiquer 300 radio et puis drone pour la popo voyer en l'air pour yo gen contrôle ciel là. Pour yo mettre sécurité pour le petit peuple. Si c'est moun ça on a tant pour ban nous sécurité. M'pa caché di nous café nous déjà kou lak ma papa ici. Hier frère c'est ça bien aimé. Après la police te fin chasser population qui te fin réfugier devant ambassade américaine, mairie Tabar te mette yon bus disponible pour transporter moun al mette dans lycée Jean-Marie Vincent dans Cara 2. Gagne 450 moun yo arrivé poté. La plupart nan yo c'est ti moun ensemble avec femme enceinte, moun âgé. Moun yo recevoir ti matelas pour yo capable dormir, yo frustré. Victime yo mande ensemble avec autorité yo pour yo prendre toute disposition pour yo combattre gang yo yon façon pour que yo capable retourner la caillou puisque situation à vivre là li difficile. Là ou regarder comment monsieur la police a poussé moun gaz lacrymogène. Comme étant donné yo te di moun yo faut que yo sorti là pour yo faire opération. Mais espérer ces opération nous va le faire devant ambassade là. On regarder comment ti moun a tombé en bas gaz lacrymogène. Juge Bernard Seville prête serment mardi 25 juillet comme nouveau doyen tribunal civil Port-au-Prince. Doyen civil nan tête tribunal la pour une deuxième fois, li remplace nan poste sa Chavan Etienne. N'a rappelé diverses organisations droit monde dénoncer nomination doyen Seville qui vient continuer faire travail régime tête caléa. Bon ça ne dépense pas ça va vienne faire. Y a pas se faire couvrir ça. Son la justice comme ça nous gagne. Responsable yon nan syndicat transport terrestre haïtien annonce 3 jours mobilisation nan 10 départements pays ya, soti lundi 31 pour arriver mercredi 2 d'août kap vini la, nan l'idée pour exiger gouvernement baisser prix gaz la à 40%. Dirigeant alternatif syndicat pour transport moderne, Jacques Anderson de Roche, qui dénonce mauvaise foi autorité concernée, dans dossier gaz là, invité toute l'autre organisation pour y porter coller dans mouvement si là. Jacques Anderson de Roche, t'es parlé dans micro, TAC 509. Nous t'ai trouvé ces 3 annonces qui t'ai dérespecté et peuple haïtien, en vertu de la loi du 9 mars 1995, sous les droits d'artificialité variable, pour t'ai une diminution sur prix gaz, surtout sur prix gaz là sur le marché local par rapport à la variation au niveau international, fluctuation. Malheureusement, le gouvernement boudé, 72 heures plus tard, qui était fini couler depuis vendredi dernier, nous n'avons aucun, nous pas de coca par le pays, pour nous présenter un cahier, un calendrier de mobilisation. Parce que le gouvernement n'a pas décidé de faire bac sous ensemble de décisions qu'il prend déjà. Et matin, nous avons réitéré position du secteur syndical haïtien devant la presse pour nous dire. On n'a pas changé. Et nous renforcer plus que jamais. Parce que l'annonce nous fait pour demander l'État à changer si tu prends gaz là, pour gaz là qui a baissé, eh bien nous sommes bandes armées, qui est activé sur tout le pays. Hein, et des annonces qui fait, d'accord, vraiment, qui peut en pile doute, parce que nous comprenons ces stratégies de l'État, les dérifonces de l'ANAPROS, les ANADIP parler de 850 000 gouttes. À 800 000 gouttes de camion payé pour traverser Varoué. Donc nous avons fait en 2021, nous avons la même stratégie en 2023. Nous disons les mêmes causes, produisent les mêmes effets. Nous avons dit que ce n'est pas dans les mêmes circonstances. Donc le pays s'est évolué. Et nous-mêmes, comme acteurs, nous évoluons par rapport à la dimension. Et maintenant, nous réitérons position. Il faut prendre gaz à descendre. Il faut suivre ce plutôt des cibles appliquées sur le pays. Pour soulager malheureusement, parce qu'il y a 20% de consommation, car la traçation de la marchandise. Et il faut l'État bailler sécurité sur le territoire national. Donc ça, nous ne pouvons pas faire prendre base. Nous avons continué à agencer, nous avons continué à motiver et nous avons continué à multiplier force nous sur tout le pays. Je nous dis, le secteur syndical a lancé grève générale pour lundi cap 31, mardi cap 31 juillet, mardi cap 1er août et mercredi cap 2 août. Grève générale pour protester en face de l'État réel qui a dirigé pour gaz la baisser dans 40% de moins. De 40% de ce tout galon, moi que ça justice. Justice pour la population. J'aimerais me dire, l'immobilisation démarrer, tout le groupe organisé, la vie nationale, la protocole,
bataille ça pas bataille syndicat yo, c'est bataille peuple haïtien. Et nous tout dire l'état pour finir. On pas besoin relène. Prend disposition pour tirer 40% population à comprendre. Et laisse ça n'a pas de bravo la contentement pour nous dire retirer 40%. On pas besoin relène parce que analyse yo montre le chiffre disponible nous ca manipuler l'ensemble la ba même résultat. 40% sur gallon gasoline, ça justice peuple haïtien. Mais au moins d'a quitté élève filé au fin composé et pas 31 examens filo a commencé NS4 etc. Il a fini toi beaucoup n'y a là sinon nous c'est 3 jours vous avez dit lundi examen mardi examen mercredi examen bon en tout cas bagaille compliqué mouvement politique nous conscient plaider en faveur application de décret 9 mars 1995 là dans dossier gaz là qui donc faut gouvernement descend prix gaz là considérablement parce qu'elle descend bien bas dans marché international là. Youn nan mouvement nous conscient et ben skaden nan intervention dénoncer insouciant autorité yo nan gouvernement devant souffrance population li dénoncer en même temps plan gouvernement ak secteur privé a kap manigansé pour yo provoquer yon raté artificiel gaz nan pays a. Entendez-le dans le contact 609. Un ensemble de dirigeants soufflant tout, reste avec un ensemble de dirigeants qui s'est uniquement saigné à ces populations, qui a continué ces populations. Et PHTK 3e version, ça, qui est dans la tête de Ariel Henry, quelque part montrer ça. Il montre par rapport à gaz là, côté que pendant deux fois, n'est-ce pas, saigné la population. Deuxième fois, bon augmentation prix gaz là qui fait à plus de 100%. Couper proche population, malheureuse, en de pays. Nous qui travaillons dans la factory, parents, élèves, nous couper proche au saigner, nous mettons un couteau en bas gauche population. Je dis à par rapport à Gaza, nous conservons un seul grand bagaille. Faut que décret 9 mars 1995 appliqué. Lui dit automatiquement, Gaza, prix Gaza augmenté, sous marché international, là, sous marché local, là, faut reviser prix à la hausse. Mais automatiquement, inverse la fête, elle dit prix a diminué sous marché international, là, faut reviser le tout sous marché local, là. Or, monsieur, dame, sans guinée, ça, yo, c'est justement, les prix ont augmenté dans l'international, là, ils ont augmenté ici. Mais consulter, on va décider de reviser prix à la baisse. Et c'est dans ce sens, ça, je dis à nous demander, application, décret, 9 mars 1995, là, sans parler en pile. C'est application demandée. Et pas faveur, n'a pas de personne là. Application. Et c'est peut-être ça. N'a pas de pinga bay pouvoir. N'a pas de pinga bay certains mouns qui sont dans le secteur privé. Je dis à go matraquage, je voulais faire dans tête opinion publique là. Go matraquage, je voulais faire dans mettre notre dehors. Gain sécurité, mais pile comme y'a payé. Oui, gain sécurité. Oui, y'a payé comme. Mais là, l'État, si l'autorité, faut qu'on résout le problème de sécurité. Ce n'est pas individu uniquement, non, qui va résoudre le problème de sécurité. Parce que société a bail, l'État dirige une mission pour organiser ce passage, pour créer la paix. Il n'a pas décidé de faire. Ce n'est pas la population responsable. Qu'on y a, ensemble de monde dans le secteur privé, Abzou, oh, monsieur, si, monsieur, là, vous connaissez ce travail là, il a préparé l'opinion, dans un éventuel raté gaz sous le marché, dans le souci. Pour handicaper toute bataille qui m'a dé revisé à la baisse du gaz là. Et nous-mêmes, en donnant nous conscients, nous disons nous pas prenons ça. Et peut-être ça n'a pas parlé ensemble avec la population pour le temps de pour le comprendre. Nous pas prenons ça. Et que nous disons, faut que prix a revisé à la baisse parce que prix a chuté sur le marché international là. Nous clair et bataille ça, nous campons derrière elle. Nous pas faire bac. Ça se passe, c'est bataille pour bien-être, parce que gaz là, son produit à la fois transversal et stratégique. Phénomène insécurité a, qu'a remonté en force, journée aujourd'hui, c'est une insécurité planifiée pour justifier présence d'une force militaire dans le pays, d'après dirigeant mouvement, nous conscients, et bien, kade qui fait qu'on est, insécurité qui en dans le pays, a, dans intérêt Ariel Henry. Li lance un appel by population, pour tourner ensemble avec mouvement bois calé contre gang à sa patte ni agves entendez pour une deuxième fois négazam pas quitter au dormi la nuit tant que la journée en particulier moun tabac qui actuellement devant ambassade américaine moun forja qui pas ka dormi la caillou actuellement parce que gen négazam k'ap théoriser yo moun nan lien pour moun nan sa vient on paquet l'autre côté par rapport à situation insécurité planifiée nous gagne dans pays a côté que la paix après plusieurs années après fédération gang en deux pays à la paix pour qu'on ca jambe tourner ouais ces derniers temps ça nous constater
bon remonter question ak banditisme dans pays a kidnapping commencer remonter violence sous femme a fait moun pa ka traverser ensemble de zone donc bon remonter zak insécurité dans contexte bien déterminé côté que question voyer militaire étranger a parlé dans Nations Unies et que Ariel même a chieté pour militaire étranger venir sous terre papa de Saline non le seul souci pour parler dans prison parce que non cité dans l'homme Jovenel pour faire élection malatune pour mettre moun parler au pouvoir et ça le besoin régler donc je dis nous comprendre des machins et on dit tout partisan Ariel dit tout Ariel repose sous deux branches lui repose sous insécurité à qui en dedans crise globale que nous vivons là. Donc ça veut dire, comment Ariel va le couper branche, il repose sur l'IA. C'est un contradictoire. Il ne peut jamais créer conditions pour une solution dans la question de sécurité. Il ne peut jamais créer conditions pour qu'on consensus pour crise à résoudre. Parce que c'est là la pérenniser pouvoir et nous comprendre ça. Et c'est peut-être ça la petite population. Ou à mon commencé ensemble avec là. C'est continuel, structurel, continuel. Et dans l'éventuelle reprise là, Boakale a c'est non seulement gang à sapatio, mais gang à version, faut identifier yo. Faut identifier gang à version capable d'alimenter gang à sapat là. Et premier gang à version là, relé Ariel Henry. 600 cas assassinats enregistrés pendant 6 premiers mois dans l'année 2023. Mette sous 271 kidnappings, sans compter moun qui déplacé, qui te kayo, cause phénomène insécurité. C'est bilan rapport collectif Défense Plus présenté mardi 25 juillet sous situation droit moun dans pays d'Haïti sorti janvier pour arriver juin 2023. Dans rapport ça, collectif Défense Plus dénoncé passivité autorité dossier insécurité a responsable affaires juridiques collectif défense plus là qui c'est Jean-Delis Wilkinson dans intervention mandé gouvernement penché sous différents problèmes pays a fait face pendant dernier moment là un pays qui mouri par zak violence misère la pérèse ak souffrance c'est mot ça yo que espère indépendant des Nations Unies William O'Neill t'a utilisé l'elle t'a décrit situation malouque qui pays d'Haïti a confronté. En effet, depuis l'assassinat du président Jovenel Moïse, PIA li continue à plonger chaque jour plus dans une crise sans précédent. Malheureusement, le gouvernement qui vient en tête li Premier ministre Ariel Henry pas jamais arrivé respecter engagement envers société haïtienne. C'est insécurité généralisée, pauvreté, c'est vulnérabilité paysan face à catastrophe naturelle, c'est remontée car choléra, c'est tout ça yo à plusieurs autres encore qui contribuait ou encore qui constituait quotidien monde qui vivent dans le pays d'Haïti. Défenseur Plus, dans la mission qui pour défendre et faire promotion de l'homme, rédiger un rapport semestriel, ça, dans l'idée pour lui non seulement inciter l'État pour reprendre responsabilité, mais tout pour lui inviter ou encore pour lui informer internationalement sur divers cas de violations de la monde qui fait dans 6 premiers mois année 2023. Pour réaliser le rapport, ça, nous procéder à recherche documentaire, nous consulter rapport hebdomadaire nous qui mettait accent sur droit civil et politique, sur droit socio-économique et culturel, sur droit monde spécifique et droit solidarité. Nous dressons ensemble de recommandations qui adressaient différents problèmes qui ont rapport avec droit monde dans le pays. Droit civil et politique gain rapport avec droit à la vie, avec droit à la sécurité, avec fonctionnement la justice, accès service public, avec droit pour manifester et puis liberté la presse. Nous-mêmes dans collectif Défenseur Plus, nous avons gardé l'évolution droit à la vie pendant 6 premiers mois année 2023. Nous voyons que droit à la vie passé en bas pied. De janvier à juin, nous enregistré plusieurs cas d'assassinat. Parmi eux, nous gagnons 6 policiers qui mourent assassinés. Yon ti moun 14 ans et gen journaliste tout malheureusement qui tombé par balle bandit gen pile tout qui malheureusement que yo kidnappé défenseur plus enregistré 600 cas d'assassinat et li enregistré 271 cas de kidnapping durant 6 premiers mois année 2023 et plusieurs autres monde qui mouri malheureusement dans mauvais conditions route qui mouri par accident routier. Nous pas veut oublier tout silence autorité face à mouvement Boakalia qui fait plus passer 200 présumés bandits mouri ni silence surtout face à plusieurs autres monde qui ont violé qui ont assassiné papi les papaquet bal bandi rete la vie moun sa yo et plusieurs autres monde tout malheureusement qui obligé quitter caillou quitter
quartier yo. Là nous voyager nous garder système judiciaire pays d'Haïti pendant 6 premiers mois ça yo. Nous avons un système judiciaire malheureusement qui toujours sous béquille. Grève pour meilleures conditions de travail, traitement dossier yo qui lent. Il y a une trentaine de juges que CSPJ pas certifié, en pile pour cas corruption, problème qui gagne dans détention préventive prolongée. Tout ça a montré à clair situation encore état radiographie système judiciaire pays nous. Nous voyons nous tout garder accès à service public malheureusement. Moun ka viv dans pays d'Haïti, population haïtienne nan pa gen accès à service public yo. Collectif défense plis nan rapport ça mette accent sou accès à service de base moun ki vulnérable yo pa gagnent tankou éducation santé ak alimentation. Conseil national sécurité alimentaire déjà recensé 4.9 millions haïtiens kap vive nan insécurité alimentaire ak environ 15 000. UNICEF dit que qui risque mourir poitriné lekene Jensen du fort qui mande autorité yo travail pour résoudre problème si là dans cadre rapport ça tout nous voyons j'ai gardé droit à l'éducation, droit à la santé, droit à l'alimentation qui fait partie deuxième génération droit moun yo qui c'est droit économique, social et culturel. Pour droit à l'éducation, nous observons que élèves yo ont fait plusieurs jours voire même plusieurs semaines que vous pas arrivé à l'école. D'ailleurs, l'école là pour plusieurs élèves, c'est presque en janvier elle a commencé. L'autre problème encore qui était posé, problème insécurité pour les élèves, pas dit. Joue l'école, grève professeur qui a réclamé salaire que l'état doué pendant plusieurs mois fait élèves, pas dit. Joue l'école, mais tout, il y a plusieurs élèves que vous arrivé soit kidnappé, gain te prend balle et gain même qui t'est arrivé mourir pendant que vous t'a balle l'école. Pour droit à la santé, donc capable dit pendant 6 mois ça yo, ouais que dans affaire santé pays a te connaît plusieurs défis. Défis tant ou choléra qui a recommencé en 2022. Nous avons un cas de choléra, il y a 46% de cas de choléra, c'est le petit monde qui gagne soit plus petit que 14 ans qui arrive à contacter maladie ça. En plus, l'hôpital yo a fait face à des défis tant pour pas gagner assez de matériel pour fonctionner, mon a mouri à cause de manque de soins. Et moun ki pi vulnérable yo, yo pa capable priver ba tête ou soin la santé parce que pa gen moyen pour ça. Et tout pour question droit à l'alimentation, capable dit droit à la manjaille, manger qui ta disponible en quantité et en qualité, c'est ça li ta supposé. Mais nous plutôt que depuis plusieurs mois, bon pas dit même depuis plusieurs années, pays a fait face à une crise alimentaire. Li vin pi compliqué pour ménage yo répondre à quantité manger yo ta doué consommer. Yon pays côté prix produit a augmenté chaque jour, gagne selon CNN ça qui c'est Conseil national pour sécurité alimentaire près de 4.9 millions haïtiens qui n'ont insécurité alimentaire et qui besoin d'une aide urgence. Collectif défense plis la recensé dans ni pays a 51 femmes avec ti fi qui victimes ak violence. Yon situation qui chaotique d'après défense droit moun nan qui te profite parler de quantité migrants certains pays a pimpé dans pays d'Haïti. Entendé Mardoché cher enfant qui te parler dans micro tak 609. Nan cadre rapport ça, collectif défenseur plus voyager garder situation droits humains spécifiques yo. Nous voulons parler de catégories nous considérer comme étant vulnérables à savoir ti moun, migrant, femme ou bien moun k'ap vive avec une situation handicap. En ce qui a trait avec droit ti moun, nous voyons que situation sociopolitique là, li affecte droit pour ti moun yo apprendre dans bon jan condition. Côté que enlèvement et insécurité te fait un ensemble école qui pas de fonctionner comme ça doit et si nous t'a pas apprendre dans climat pérez et il y a plusieurs et directeurs d'école qui te recevoir menaces pour question kidnapping. Entre autres, nous t'a parlé tout de ti moun qui a vivre dans quartier qui affecté par groupe armé yo côté que gien qui soit directement ou indirectement et ben victime de situation insécurité. En ce qui a trait avec situation alimentaire là nous grand pile ti moun qui dans insécurité alimentaire. UNICEF ba un chiffre qui montre que gien 3 millions ti moun et ben qui besoin d'aide alimentaire urgente. Et en plus, il y a 115 000 là-dedans qui risquaient de mourir de malnutrition. En ce qui a trait avec droit femme, eh bien, situation insécurité a tout impacté les femmes, les femmes actives, côté que il y a une quantité de femmes qui subissent violence sexuelle de la part de gangs armés. Et il y a tout situation femmes qui dans le milieu rural, souvent qui passent sous silence, mais qui a subi violence. Défenseur plus rivé recensé dans le cadre de travail dans le département dernier, 51 femmes actives qui victimes violence
violence sexuelle et l'autre violence que nous mentionnons dans le rapport. La situation migrant haïtien en République dominicaine n'a pas changé. La République dominicaine continue à faire déportation ou bien expulsion massive de haïtiens vers Haïti en conditions qui ne sont pas appropriées ou bien qui ne pas répondre avec normes internationales ou encore binationales qui régit question migration. Haïtiens ont été allés vers d'autres contrées également. Dans le même cas, il y a côté que grand pile haïtien qui mettait la vie en péril. Donc, a dit entre janvier et mai 2023, autorité turque et Kaikyo yo rivé intercepté 1792 migrants haïtiens et yo voyé tourner en Haïti. Autorité bahamienne nous c'est une situation pareille côté que entre janvier à mai yo rivé déporté en Haïti plus de 2000 migrants. La situation migrants haïtiens autour dans pays Amérique latine c'était pareil côté que gagné qui rivé victime question manger, pas jeune abri, pas jeune logement. Et ben gagné 7 migrants qui étaient mouri quoi et agence Nations Unies cap gérer question réfugiés rapporté ça. Au final nous garder tout dans rapport là. La situation doit mon nous n'avons pas de conditions structurelles qui pour faciliter l'intégration de Montaïo dans le pays. Par rapport à la situation à la Manta, les défenseurs plus font un ensemble de recommandations à l'État haïtien pour capable agir sur la situation. Nous demandons pour l'État de mettre bon gens moyens à la disposition du juge pour redorer le blason système judiciaire là, mettre le matériel nécessaire pour la police soit capable de faire travail, démanteler les groupes gangs qui ont des problèmes sur le territoire. Et la question de droit économique, social et culturel, nous demandons pour une subvention produit premier nécessité de quoi nous capable combattre l'insécurité alimentaire là et puis garder qui gens nous favoriser un climat qui propice à l'éducation et puis dans question droits humains spécifiques yo nous exiger pour gagner une plus bonne inclusion pour monde qui a vivre avec handicap yo et puis créer plus bonnes conditions socio-économique pour éviter l'immigration massive haïtienne vers d'autres pays. Dans une visite li fait dans la cour ambassade américaine sous route tabac qui logeait diverses familles à cause violence gang yo. Jean-Jacques Exantus, en pile moun konnen sou nom Neg EPA déclaré, c'est yon plan pour communauté internationale justifier intervention yon force militaire dans pays d'Haïti. Neg EPA qui prend engagement pour faire échec ak plan sa cementer aucun militaire étranger pap foule sol papa de Salina en tandel nan micro tak 500. Pour vinn sou territoire papa de Salina et m'a bien content recevoir. Donc si nous pas comprendre ça, nous pas nan temps pour nan gouman comme même pas gouman. Moi, pas goumen. Et si on est capable de venir prendre papa de Salina. Parce que tout le monde a agi. C'est à quelques mètres nous y a de vite l'homme derrière. C'est à quelques mètres nous y a 100, 200 mètres. C'est l'armée américaine même, avec Anthony Blinken, qui paye tout le monde, tout côté, et qui mène nous là. Nous pas besoin de paix. Victoire, c'est pour nous. La petite vive papa de Salina, tout le monde. Vive papa de Saline, non? Oui, Amérique va reprendre. Nous n'avons pas besoin de paix. Nous prenons les, nous demandons tout le monde dans tout le pays à kidnapper, envahir l'ambassade américaine, Canada, France, une coucher devant eux jusqu'à ce que le problème ne résout. Parce que nous ne pouvons pas sortir là sans problème à résoudre. À bon entendeur, Saline. Qui donc les populations qui là, ils passent en conséquence. Pardon? Population claire, elle passe sans conséquence. Non, il passe sans conséquence. C'est vite l'homme, il paye. Il paye, bail au bateau, tirer sous yo, pour yo venir là, qui pour mener là. Il y a un animateur, pas yo, qui pour mener là, pour qu'à justifier l'entrée américaine, pour qu'à justifier l'invasion américaine. À la caca, à la bagaille, c'est facile. Ou besoin de gourmet, en Ukraine, mais en Haïti, on pas capable de payer ça. Payer ça, c'est pour nous lier. Nous pas besoin de payer, on pas capable de t'es papa de Saline, non? Et c'est ça qu'on est tant fini pour nous faire Mardi Gras bon masque. Nous pas qu'à faire Mardi Gras bon masque encore, tant fini. Bon, me déclarer la guerre, ben, la guerre me déclarer, la guerre. Tout pour interpeller ça, pour interpeller me déclarer, la guerre me déclarer. Après, bagay pensez mon canon, non? Canon, non? Moi-même, clair, ma foutre manger avec chacun là, ça est pour Joe Biden me porter la même. Comment des négociations? C'est parce que le ou pas faire la guerre avec le monde. Et là, fait la guerre. Et Goïta Assimi au Mali, il n'a pas négocié parce que lui-même, c'est la guerre. Fait. Mais Moïse, c'est négocié avec Pharaon selon Exode chapitre 30. C'est négocié, il était négocié pour te sortir avec le peuple. Donc, les Américains ont besoin de négocier. Il y a beaucoup de scores and goods. Société secrète, yo, société mystique, yo, pour montrer ça, c'est que ça fait devant eux, ça a fait ça par eux. Donc, l'éclair, c'est ça que m'a obtenu, parce qu'il n'y a pas qu'à rentrer sur le territoire, papa de Saline. Nous n'avons pas besoin de paix. Pas
caca comme ça. Menti, il n'y a pas qu'à venir. Donc c'est après une négociation là, ou pas jouer si États-Unis tabac ou l'autre pour t'attuer éviter l'homme parce qu'on dit l'autre. Affaire l'autre n'a pas dit et pas l'autre. Faut en apprendre des paroles que nous comprenons. Amérique n'est pas capable de l'autre sur Haïti encore. Haïti, il n'y a pas négocier si pour nous quitter on n'a pas d'ailleurs toute relation diplomatique coupée avec l'Occident. Et moi, le pouvoir que je me dis toute relation diplomatique coupée avec l'Occident. Philippe, n'arrêtez pas les gens, les pour les gens. Dis-le pour d'ailleurs, bye papa de Salintel. Fly pour votre papa de Salimier. Et pour tout en est pour papa de Salimier. Et ça, quand nous dit peuple là, rentrez, envahis, ambassade France, Canada, ambassade américaine avec et France, Canada, États-Unis. Rentrez Chita jusqu'à ce que le problème ne résout. Donc, plus clair, ça que vous voulez comprendre, on nous suit, ça que vous voulez aller, on allait, pas à gagner quelqu'un comme ça. Et moins qu'à manger Joe Biden là, et moins qu'à manger Anthony Blinken, et moins qu'à manger Macron avec tous deux. Parce que force de mettre ensemble avec nous, et pour le bien, t'es dans le même temps. Qui papa de Saline, et de papa Ariel? Sous intervention organisation Gonaïve d'abord plusieurs dizaines citoyens foulé béton a mardi 25 juillet dans Gonaïve dans l'idée pour mander à autorité la police avec la justice pour responsabilité pour craser gou gang kokorat sans race qui pas suspend si médaille dans mitan population. Maître Fritzner Jean-Baptiste dirigeant organisation a fait connait si effectivement gang yo pas gè mettre c'est pour autorité concernée yo kwape yo Mackenzie lui depuis Gonaïve a dit nous plis sous dossier si là. Divers citoyens en dans cité indépendance là, si on est plusieurs ri, je n'ai mardi 25 juillet dans l'idée pour mander à autorité en dans département la Tibonite là, prendre responsabilité au pourquoi pe gang kokorat sans race avec toute l'autre gang kapta et banda depuis quelque temps dans département qui empêcher population vaquer avec occupation comme ça doit. Après plusieurs parcours dans centre-ville là, manifestants ont piquet devant commissariat Toussaint Louverture là dans Gonaïve, côté ont tout profiter lancer un message à policiers yo. Chef gang yo en majorité dit qu'il y a connivence avec le gouvernement. Il y a connivence avec les politiciens. Il y a connivence avec les hommes d'affaires. Donc, l'État qui l'a pour la sécurité, il faut mettre tout appareil de justice en branle pour croire le problème de sécurité pour que nous-mêmes, en tant que citoyens, pour nous vivre en paix. Donc, on arrive debout. C'est une raison que Jodia nous venons devant le commissariat pour nous dire prendre responsabilité. Il faut que les policiers aient moyen, que les policiers aient volonté parce que tu es prêté serment, pour que tu aies sécurité. Responsable, on arrive debout. T'a accusé la justice qui selon eux-mêmes t'a en connivence à gang yo côté gen diverses opérations que la police menait arrêté plusieurs individus qui selon eux-mêmes t'a fait partie gang kokorat sans race là et gen yon juge ak en pile avocat qui toujours à bataille pour na qui façon yo capable libérer présumé gang sa yo coûte que coûte là ou prend yon bandi qui fait partie de kokorat sans race qui pour gen 2 mois en prison et puis gen acharnement avec une batterie d'avocats pour mettre en liberté à travers un juge c'est pour qu'on ait il fait partie de association des malfaiteurs. C'est tout, ni avocat, ni juge là, lui même yo aussi bien fait partie de l'association des malfaiteurs. Puis devant, manifestants, yo exhorté autorité concernée yo pour faire appel à la médaille d'Haïti pour porter support by la police là pour faire face à guérilla urbain que gang yo instauré en dans département depuis plusieurs années. Mais gen force armée d'Haïti qui aussi gon spécialité en guérilla urbain pour aller pour pénétrer des zones parce que pour militaire yo gen une formation spéciale qui pour permettre que porter solution à tout type de problème de sécurité. N'a pas rappelé dernier jour sa yo gang kokorat sans race lan vin pi danger nan zak malhonnête ki ap komet kote yo violé tiye kidnappé jan yo vle ak lè yo vle sou route nationale numéro 1 zone à la Croix-Péris ki lè force l'audio a privé mené en opération définitive pour finir ak phénomène gang sa an dan département ces questions tout moun a posé. Mackenzie lui Gonaïve tak 509. Merci Mackenzie. Habitants qui vivent dans deuxième section Guinode a fait face à divers problèmes côté population pas connait qui sain pour y reler ancien casex zone li même toujours à vivre dans commune nan dénoncé divers ministères dans département qui ferme géo sous problème citoyen depuis Guinode commune Jean Rabel Jameson Petit Abdino plus mesdames mademoiselles et messieurs environ 23 000 moun 11 l'école nationale 37 l'école privée et communautaire c'est ça qui caractérise deuxième section Guinode commune Jean Rabel après yo fin passé plus passé 7 mois côté la pluie pas tombé situation vraiment vulnérable si la yo qui a vive dans zone ça plongé chaque jour plus dans la misère avec insécurité alimentaire côté yo pou ko jam remarquer présence l'état haïtien qui t'a censé venir dire un mot. Albert Canton, ancien Kazek Zonsa, qui lui-même t'a rencontré avec TAC 509, t'a parlé comme ça.
session qui se situe entre la première section avec la troisième section. Il y a environ 23 000 personnes qui vivent là-dedans. Qui ont à peu près 11 écoles nationales et qui ont à peu près 37 écoles privées. On a des communautés et tout, mais comme nous avons dit que l'école communautaire, toute l'école privée, toute l'école chère. Et bon, c'est une section qui dit que les gens ont vécu une situation, on dit après tout le temps, qui est venu à plus soleil dans cette section. Ça, bon, l'agriculture a été écrasée, depuis que c'est pas d'exister, elle a commencé à mourir, pour les cheval, bœuf, cabret, poule. Et la triage n'a pas existé. Bon, on dit que les gens très haut pour la population, que c'est comme ça, grand peu le monde qui était parti tout quitter ce pays pour aller sur la République dominicaine, pour aller dans la Bahamas. Bon, on dit que son véritable tête chargée que. Ancien chef section 1, qui toujours vivre dans la communauté, constate absence divers bureaux déconcentrés à travers le département nord-ouest, qui pas étudiant rien. Par exemple, ministère agriculture, branche nord-ouest, bureau conditions femmes avec droits femmes, pour ne citer ça seulement. Albert Canton continue. Le département nord-ouest, là, qui existe sous papier, qui moi-même, je ne pas grave. Après, tout le monde a vraiment amassé, bon, comme je dis. La vie a été gaspillée à cause de gros problèmes de sécheresse. Pas de plan maï. Je vais mettre 24 dollars. 2000 gouttes. Je vais mettre 600, 800 dollars. Je vais mettre 100 plantés. Dans tout bouche du ministère de l'Agriculture, dans le département nord-ouest, là, qui existe sous papier. Puis moi-même, je me dis l'État, je vais essayer. Nous avons gagné le ministère, nous avons retiré dans le pays. Il y a un ministère forme. Ministère environnement, ministère de l'agriculture, non, ça va pas avoir un pays. Mais non, pas ça, ministère de l'agriculture, donc quantité de pauvres qui est disponible pour faire le développement, travail à travers les sections, puis à travers le département nord-ouest là. Est-ce que les zones n'ont pas touché? Bon, pas que travail qui fait. C'est démagogie qui a fait. Des fois, on commence à commencer dans le sol. Je commence en bas pour monter. Du coup, dès le fond de la pluie, tout grasé, que bassin vers ça, pas un traité, pas un grand fait. Non, yo. Et les ONG, ils viennent, c'est des mondes bon. Et qui sont pas que, ils mettent le ministère de l'Agriculture, ils ont fait route. Route, pas de route. Ils ont gagot, c'est son pays qui tout pour faire ça. C'est mon pays que personne ne va respecter, prince, pas respecter, tac, l'autre monde, pas respecter, hiérarchie, chaque monde. Ligne important pour nous souligner, deuxième section Guino D, chargée avec divers autres problèmes, tant qu'ou absence d'électricité, problème de l'eau, santé, pour ne citer ça seulement. Jebson Petit, deuxième section Guino D, commune Jean Rabel, TAC 509. Il était cap bataille contre corruption dans le pays d'Haïti. Organiser un atelier travail à consultation mardi 25 juillet sous thème vers l'incrimination de la sextorsion comme un acte de corruption. Initiative ça entre dans cadre réforme et approche pluridimensionnelle pour combattre corruption sous toute forme dans la société d'après directeur général ULCC Hans Ludwig Joseph qui te parlé dans micro taxi 509. En droite ligne avec la politique du gouvernement de la République, l'unité de lutte contre la corruption lance aujourd'hui un débat crucial et osé sur la corruption sexuelle. En vertu des principes de genre, des politiques de genre amorcées, il s'avère donc opportun et même urgent de poser le problème épineux et souvent contourné de la sollicitation des actes sexuels comme monnaie d'échange à un service public afin d'aboutir à un encadrement juridique proportionnel à caractère pénal. Cette démarche entreprise s'accorde avec les dispositions de l'article 7 du décret du 8 septembre 2004 qui confère à l'unité de lutte contre la corruption, cette compétence pré-législative, en ce sens qu'elle se doit de rechercher dans la législation, dans les règlements, les procédures et les pratiques administratives, les facteurs de corruption afin de recommander des réformes visant à les éliminer. Pour lutter efficacement contre le fléau de la corruption, il est nécessaire d'adopter une approche pluridimensionnelle pour une meilleure assimilation
de la problématique et enfin pour doter l'État d'instruments juridiques qui visent en l'espèce à anticiper toute forme dissimulée de corruption et les incriminer dans l'intérêt de la société. Dans ce champ, la lutte contre la corruption doit prendre en compte la transversalité des questions de genre. S'il est évident que les femmes sont exposées à la corruption au même titre que les hommes, il est tout aussi vrai qu'elles sont souvent victimes d'un type particulier de corruption lié au genre qui est appelé la sextorsion. Ce concept popularisé par l'Association internationale des femmes juges désigne tout abus d'autorité visant à extorquer des faveurs sexuelles. Carnegie le traduit comme toute forme de corruption dans laquelle le sexe, plutôt que l'argent, est la monnaie d'échange du pot de vin. Donc, au cœur de cette corruption typique se trouvent des faveurs sexuelles et non de l'argent. La compréhension dégagée aide à voir qu'il ne s'agit pas seulement de violences sexistes ou d'harcèlement. Il comprend en priorité un élément de corruption, c'est-à-dire un abus de pouvoir à des fins de profit personnel. N'a traversé dans la commune Akaye, tout dollar a descendu chaque jour d'après chiffre Banque Centrale communiqué. Mais ça n'a pas empêché prix produits, première nécessité, continuer à augmenter dans tout arrondissement. D'après quelques économistes, c'est niveau inflation qui provoque ça. Dans ce sens, il y a conseillé l'État pour accompagner les gens qui sont vulnérables, aussi tout si là qui vivent dans la section communale. Pascal Floristil, depuis Akaye, a parlé ensemble avec nous. Produits, première nécessité. Yo pa jam suspend augmenter dans arrondissement AKA bien que dollar américain a prend gros baf chaque jour bon Dieu meté selon plusieurs économistes c'est inflation qui la cause pour produits premières nécessités monter tête nèg comme ça économistes qui trouvé dans région mandé l'état faut qu'il prend bon jamaisi pour accompagner moun k'ap travail la terre yon façon pour yo capable produire en pile pour Haïti pas dépendre de communauté internationale là ni des marchés internationaux là yon l'autre bord yo quoi faut que l'état investi dans milliers paysans yo côté paysans qui représente moteur ak poumon production pays a économiste yo quoi tout faut gen bon jan mezi accompagnement qui prend au niveau l'état central pour accompagner moun ki pi pauvre yo yo quoi niveau pauvreté Haïti a vive nan moment là c'est parce que inflation arrive trop haut yo dit si l'état pa prend bon jan mezi li capable vin pi grave toujours et vin aggraver situation moun ki nan section communale yo qui déjà a vivre dans misère qui pas même capable manger yo quoi faut gen bon gens disposition qui prend tout bon côté organisme qui dans l'état yo pour accompagner moun qui pi vulnérable yo parce que population haïtienne nan yo pas capable encore n'a fait songer gen plus que 4 900 000 haïtiens qui a vivre dans situation misérable moun sa yo a vivre dans misère noir qui mérite yon accompagnement pressé depuis arrondissement Akaye Pascal Floristil Tac 609. Merci Pascal. Pour cette information, mesdames, mademoiselles et messieurs, n'a fait place ensemble avec Sévère. Bonjour, bonsoir tout le monde. Bonjour Foucault. Merci en pile. N'a poursuivi avec information. Yo, amis internautes, des hommes déplacés qui étaient pris refuge devant l'ambassade américaine dans la commune Tabar, yo la gué des bras balancés. Yo pas gué côté pour yo dormir, pas gué autorité qui là pour protéger yo et qu'on a là garçon avec femme ça, avec ti moun ça yo, la police courir derrière yo hier mardi pour yo capable quitter l'espace là. Après yo t'es fin passer nuit dans la rue côté te gen tis route la plis kek la dayo te actuellement dans la nature gen ki te choisi réfugié presque en face représentation diplomatique américaine nan pas trop loin magasin matériaux construction un policier haïtien yo membre unité spécialisée parmi au BLTS qui était posté devant ambassade là c'est empêché yo à retourner sa question c'est que yo pas retourner dans caillou pour qui abandonné à cause crainte yo gen pour que nèg exam pas courir derrière. Hier m'a dit
à côté de gang qui a couru derrière yo, ayem a dit c'est la police qui couru derrière yo côté la police te bay un pile gaz lacrymogène pour te quitter espace là. Depuis plusieurs temps là gen rumeur qui a couru comme quoi gen un programme d'asile en faveur résident qui a quitté caillou pour échapper à zak bandi en d'un pays. Cependant l'ambassade américaine en Haïti démenti rime ça sur comme quoi tout monde qui a fui caillou à cause climat à terre qui gen en d'un pays yo invité pour remplir formulaire dans ambassade là pour quitter pays plus vite possible. C'est intoxication, pas aucun problème programme dans domaine ça qui nan niveau ambassade américaine à Port-au-Prince d'après information. Ambassade là lancé appel ba tout monde pour pas croire dans ça qui a dit sur réseaux sociaux yo qui capable mettre confusion dans mitan population. Gen association internationale presse qui réclame libération journaliste Blondine Tanis, co-animatrice programme Tribune Matinale sur Radio Rénovation qui a enlevé vendredi 21 juillet pendant le temps retourner la caille. C'est un sixième membre corporation qui enlevé depuis commencement année en Haïti d'après association qui basée en Floride pays États-Unis. En effet, dans la nuit vendredi 3 février, Negaxam enlevé dans la boule 12 journaliste Radio Vision 2000 Jean-Tony Lorté, il était gay avec les deux proches. Pour être capable de libérer ses l'argent en famille en Tébaï. 17 mars passé, Lebrun Saint-Hubert, PDG Radio Communautaire 2000, RCH 2000, enlevé dans Delma avant de libérer, il était obligé de bailler l'argent quelques jours après. Robert Denis, directeur Canal Bleu, une chaîne télévision privée, enlevé 11 avril passé à sous route frais, pas trop loin la caille. Lui-même tout, il était obligé de bailler l'âge à Cravisseur pour être capable de libérer. Journaliste Marie-Lucie Bonhomme Opon, enlevé 13 juin et libéré même juin après chef gang qui était enlevé là, interrogé. Une semaine plus tard, c'est Marie-Lie Pierre-Louis Opon, copropriétaire télé pluriel là, et bien c'est président conseil électoral provisoire là qui t'a pas enlevé lui-même tout. Puis passé un mois après, il est toujours dans mes ravisseurs. Sandra Duvivier lui-même tout est enlevé la même année. Javier Valdivia qui c'est une responsable AIPA souligne la commune dans un communiqué journaliste yo professionnel yo presse yo ak dirigeant média yo c'est cible facile pour attaque enlèvement ak assassinat gang yo qui contrôle une grande partie dans capitale haïtienne yon pays qui charge qui gagne un climat constant insécurité ak une crise politique qui c'est résultat absence autorité dans l'état. Monsieur Valdivia rappelé tout au moins 3 journalistes assassinés en Haïti depuis commencement année. C'est Dumeski Kersin, rédacteur en chef Radio Télé Unirep qui était assassiné dans la municipalité Kafou qui trouvait dans le sud Port-au-Prince le 16 avril passé. 25 avril, moun t'apprend découvrir sans vie, journaliste Radio Télé Évolution Interne, c'est Mac Rico Jean dans yon champ. Ensuite, 5 mai, Paul Jean-Marie, présentateur Radio Lumière, assassiné dans résidence li dans commune Croix des Bouquets. En plus, AIP fait qu'on est 20 juillet qui saute passé là, Pierre Daniel Lamatinière, journaliste Van Bef Info, passé mauvais moment en bas, mais la police dans le cadre couverture de manifestation anti-gouvernementale. AIP souligné car journaliste Blonson Bachmi Delien qui était porté plainte dans paquet Port-au-Prince pour menace l'étape subie suite avec une publication information qui impliquait un ancien maire. C'est une série attaque contre plusieurs journalistes qui rend difficile pratique métier ça dans un pays côté sécurité généralisée avec un système judiciaire faible et corrompu chaque jour plus. Y a dénoncé. Secteur vaudou continue à compter cadavres. Mab nan population touye yon prêtresse. Vaudou nan localité Kaidouet, deuxième section communale, Fonfred nan Okaï. Mambo, Soulina, Valsin à Clermita, ainsi connu, tous les deux mourir à coup de couteau dans la nuit 21 pour l'ouvrir 22 juillet passé. Victime yo, yo accusé yo, nan la mort yon jeune garçon pendant un accident de circulation sur route nationale numéro 7 là, nan niveau Kansa. Au moins 3 moun interpellé nan affaire si là pendant que l'autre autorité judiciaire dans le département sud pays a cherché. L'autre dossier dans le journal là, organisation élection générale en Haïti, c'est un cafou obligé pour capable retourner à l'ordre constitutionnel et puis mettre pays en sourail. D'ailleurs, depuis après assassinat ce président Jovenel Moïse 7 juillet 2021, l'état nation d'Haïti pas existé encore. Pays a vivre en désordre et puis sous contrôle gang capable fait parler de yo, aucun pouvoir pas existé dans pays, pouvoir législatif n'a pas existé.
pouvoir judiciaire là constitué juge nommé illégalement par premier ministre de facto Ariel Henry. Pouvoir exécutif là pas président, c'est un premier ministre qui remplit toute fonction publique comme un roi qui a un pouvoir absolu. Par contre, 2 ans après assassinat président Jovenel Moïse, li urgent pour capable organiser élection générale en deux pays. Sous ça, mouvement point final présenté 10 conditions essentielles pour y veut organiser élection générale en deux pays. Démission sans condition premier ministre Ariel Henry, mettez en place un gouvernement bicéphale dans un consensus largement large avec la force vive nation, créer un climat la paix et la sécurité dans le pays qui favorable à l'organisation élection. Mettez en place un conseil électoral honnête et crédible avec un monde qui par un soupçon sous doyon, évaluer techniquement et légalement validité 4 des malogues là. Éliminer question référendum dans la révision constitutionnelle là dans prochaine élection yo, nettoyer ville là spécialement région métropolitaine, baisser 50% prix gaz là pour améliorer conditions vie population, mettre en place programme apaisement social pour combattre grand goût ak crise économique en pays, regrouper en 3 blocs ensemble parti politique pays pour capable bénéficier subvention l'État. Maître Bernard Saint-Ville retourné comme doyen tribunal premier instance à Port-au-Prince, l'installé à Yemadi 25 juillet en fonction li remplacé juge Chavan Etienne qui passait environ 6 mois dans poste ça. C'est commissaire gouvernement Port-au-Prince, Maître Elder Guillaume qui était procédé à l'installation Maître Saint-Ville dans tête tribunal premier instance Port-au-Prince. Juge Bernard Saint-Ville recevra lundi 24 juillet à commission comme doyen tribunal premier instance Port-au-Prince, c'est conseil CPI pouvoir judiciaire pour une durée 7 ans. Transféré à la cour d'appel Port-au-Prince, juge Chavan Etienne pat assisté dans la cérémonie d'installation remplaçant l'IA. Police nationale d'Haïti interpellée dimanche 23 juillet à Sadrak Sinto pour implication présumée dans Zak vol. L'IA arrêté pendant l'intervention des policiers. SDPJ Sud-Est dans la localité Meyer, yon banlieue Jacques Mel Temene. Intervention policière sa vini suite avec plusieurs plaintes répétées contre individu non identifié qui a volé moun a fait moun qui a sorti la banque sa dernier en date là c'est vendredi 21 juillet. Yon enquête a été ouvert par SDPJ arrivé dans le commissariat Jacques Melan qui était en procédé avec palpation nommé Sadak Sinto et yon somme 57 000 goudes t'est trouvé dans possession clairement identifié par victime vol 21 juillet 2023 suspect dans la première déclaration li reconnaître 57 000 goudes dans l'été yon jeune sous li yo représenté en partie l'argent li volé yo dans sens ça yon mais garde à vue a prend compte lui-même n'a noté gagne un véhicule Mack Checker couleur jaune à plaque et immatriculation DD-114-66. Les suspects ont été pilotés, été saisis puis confisqués dans le commissariat Jacques Mel. Gagne association médicale haïtienne qui confirme kidnapping Renaud Grand Pierre samedi passé à la commune en Tabar. Docteur Grand Pierre, c'est un médecin qui servit dans l'état coup privé qui n'a fait carrière d'après président Issictillan, docteur Arnaud Jean-Charles, qui fait qu'on est association pour aller réunir pour prendre une position commune. On écoute la déclaration. Oui, nous, dans l'association, nous touchons de ça. Nous disons et que nous prenons, c'est depuis samedi. Que nous prenons dans la zone Tabar. Donc, une nouvelle comme ça, quand nous commençons à continuer à calmer, une nouvelle comme ça, c'est une nouvelle qui est renversée l'association médicale haïtienne, qui renverse tous les médecins et même le monde médical et la société à la donne, parce qu'il est capable de faire des ordres pour l'autre monde. Donc, c'est une nouvelle vraiment qui met nos têtes en bas, qui fait nos petits gens déséquilibrés, parce que nous connaissons des bons petits repos, et repos ça, c'est capable de marcher vers bah presque définitif mais nous pas ça fait nous retourner là dans le plus belle la pays il prend un médecin qui commence à l'âge donc qui est vulnérable qui est fragile donc nous déjà peur pour santé les pauvres médecins. Qui est ce docteur Grand Pierre? Un docteur Renaud Grand Pierre, c'est un gynécologue obstétricien. Il était dans la bagaille santé publique dans MSPP et ministère pour bagaille santé famille. Donc il y avait une connelte dans et tout. Donc c'est un médecin qui bail pile service dans la société bon ben qui a plus que de 40 ans d'exercice médical. Donc ça veut dire son monde qui bail société à service longtemps que pour faire le travail ça connait et presque au soir de son de carrière côté les polta à le reposer pour en retirer puis voilà c'est qu'on y a le nom qui n'a pas de son bagage qui fait notre sans pile l'association médicale haïtienne va réagir
mais nous avons fait notre assortie plus tard, bien demain matin, et tout pour nous connaître qui l'autre réponse, encore, et pour nous bailler, en ce qui a trait à et trouve ça qui gagne dans le pays. Hein. Nous ne pouvons pas parler approcher les familles. Non, nous ne pouvons pas parler approcher. Il y a des détails, nous ne pouvons pas gagner. Donc, nous avons fait des marches pour nous garder des détails. Mais on connaît les magasins frappés pour former, former qu'on a de droite à gauche. Donc, il est difficile pour parler avec là, pour qu'on ne parle pas et faire pression sur lui pour joindre. Donc, on va quitter les bagages, on va décanter après ça pour joindre les familles, pour joindre les proches. Il y a besoin de détails concernant. Et ça qui passe, médecin. Association pas caché inquiétude yo façon bandio ciblé médecin dans la rue, plusieurs dizaines de médecins déjà ciblés avec kidnapping dans pays d'après docteur Jean Charles qui rappelait médecin yo pas gain l'argent c'est un métier service. Docteur Jean Charles profite voyer message by autorité yo pour résoudre problème de sécurité. Oh nous toujours ça parce que si n'a fait par rapport pourcentage de professionnels yo prend avec professionnels avec par rapport à médecins yo l'autre professionnel yo nous gain impression que médecins ciblés que yo prend plus médecins que l'autre professionnel yo bon que l'autre professionnel qui pas parler même pas quoi arriver dans niveau médecin parce que médecin vraiment et ça fait on l'est noté et envie faire marche faire toute bagarre parce que médecin yo gain impression que yo ciblé. Est-ce que mon yo t'as une mauvaise idée dans tête comme quoi médecin t'as gain l'argent? Bon mon yo son mauvaise idée comme on dit son mauvaise idée l'idée ça que dans tête son mauvaise idée parce que médecin c'est apparence sur gain mais pas gain comme j'ai passé mais et le tout le bon médecin ouais pas le temps médecin fait dans main yo. Médecin brave yo il va l'être médecin pour réunir mon à droite mon à gauche parents amis etc pour fonti cotisation pour bail comme il dans les points ben dans deux trois jours le médecin fait 15 jours au mois avant pour le reste la jeune bagaille et bien quoi yo discuter pour en pile parce que mon ça obligé à faire juste prier avec yo ouais qui est à la gueule. Donc, je dis profiter de la population, ça, mais c'est apparence qui gagne, et c'est une perception qui gagne de lui, qui une perception qui fausse, son métier de service, son sacerdoce même. Parfois, un médecin, pile médecin, son sacerdoce même dans un pays, Haïti, qui n'a pas de moyens, qui est pauvre. Donc, un pile médecin, c'est sacerdoce qui fait. Sans faire, obligé de partager avec la population, avec les amis, avec l'autre monde, etc. Donc, sacerdoce, perception des médecins, qu'il t'a chargé comme un chapeau pour le bail comme là. Donc, il n'y a pas vrai, dans la réalité, il n'y a pas vrai. Eh bien, un message d'abaisse, un message pour toute société en général, nous demandons pour l'État, qui m'a donné aide robuste, nous m'a dit pour l'État prendre des décisions très robustes en Haïti pour les freiner bagay ça. Parce que nous, ouais, bagay ça, l'empêcher pays à travail, et chaque l'empêcher pays à travail, pays avec croissance économique négative, mais ça a fait pays avec une pipe de jour en jour. Donc l'État s'est dégagé lui. Pour faire payer à marcher, et dégager pour faire payer à marcher, parce que ça n'a pas qu'à continuer comme ça. Gain solidarité femme haïtienne yo qui exige libération sans condition journaliste Rénovation Blondine Tanis nèg exam kidnappé vendredi 21 juillet pendant le temps rentré la caille. Soufège à travers communiqué ça dénoncé climat à terre gang yo tabli dans pays depuis quelque temps pendant yo mandé autorité yo prend responsabilité yo côté Martine Isaac qui c'est coordonnatrice et sectia dans Mikotak 509. Avec nouvelle Tanis Jumeza qui l'a dit vendredi à nous-mêmes dans association dans Soufège, c'était vraiment désolation. Mais nous connaissons nous-mêmes femmes qui n'a pas les chariers plus dégâts et la caille dans ce sens dégâts, c'est que nous-mêmes. Il y a des gars physiques qui capotent sous corno, qui peuvent déboucher sur un paquet de bagailles. Ça a été vraiment, ouais, nous, dans 2023, malgré tout combat, puis l'organisation a fait pour dénoncer la réglement des autorités au premier, pour déraciner mal ça qu'a congé pays, toute lutte organisation femme, tout secteur qui a fait des victimes de l'IKEA sur l'État, c'est pas possible. À chaque fois, c'est sorti de notre secours, lancer des cris d'alarme. Dit que famille n'est pas capable, il n'y a pas pauvre, il n'y a pas gagné, parce que le pays a traversé depuis 2018 en crise. Côté que de jour en jour, nous payons moins, nous payons l'argent, et pour la pipe, donc, on va comprendre que vendredi, nous apprenons une nouvelle là, de jeunes journalistes, bon, nous connaissons ça, ça veut dire un journaliste.
dans le secteur A, surtout femmes encore, et qui dans le secteur A, son secteur qui finit vraiment, fini majorité médias à l'heure actuelle, ça travaille vraiment au rabais, et qui voulait tout ça, les nouvelles y aller. Pour catastrophe, ça a lagué sous nous, donc toutes mesdames, yo, c'était main en tête, deux mains en tête pour dire mes amis, jusqu'à qui l'un a suspendu, dit non, non, c'est assez pour dire nous condamner, nous dénoncer. Nous révolter parce que ce n'est pas possible pour 2023, nous avons mois de juillet pour continuer presque chaque jour. Pendant que nous avons pensé que l'État a commencé à faire des actions pour déraciner mal là, nous pensons que vraiment après tout cri, nous avons pris des mesures, mais nous devons constater ça à côté. Kidnapping, pas suspend, frappe, porte, famille haïtienne, et nous-mêmes dans la corporation, pendant que nous avons Pierre Léopold, ancien CEP, qui était madame Malé, c'est bonhomme, qui c'est journaliste Vision 2000, qui c'est propriétaire Média Télé Pluriel, ensemble à Marie-Li, qui a kidnappé, qui a un mois, pendant que mange, pape, et fait dimanche dernier, jeudi, a fait 8 jours. Ancien Premier ministre Joseph Joute, quoi la police a une capacité pour résoudre l'insécurité, ainsi le jeune matériel pour ça. En CPM n'a porté réponse à l'ancien ministre de la Justice Lucman Dédil qui était fait quoi, il était bloqué opération dans le village de Dieu. Joseph ajoute quoi, c'était une décision normale pour éviter une baissante dans le quartier ça qui chargeait bon monde tout cap vivant là-dedans. En côté Joseph ajoute pour plus de détails. PNH a gagné un problème pali, ok? Mais il y a une volonté pour travailler et moi pensais qu'il y a une compétence pour. Parce que je travaille avec eux pendant longtemps. PNH a un pile policier qui non seulement de bonne foi, mais a un pile compétence dans le PNH. PM, un appareil qui est supposé acheter pour question de sécurité dans la zone Matissan et vous avez cité non par rapport à l'appareil de cette page au niveau de la police. Non, il n'y a pas cité non. Moins dit, il n'y a pas cité non. Cité non, non, c'est un coup ça accusé. Moins dit. Que moi commandé yon appareil, moi te bay autorisation commandel, mais j'en nous connais yon premier ministre pas gérer la police directement. La police c'est ministre la justice qui gère ça. Ou bay autorisation acheter matériel là, mais c'est pas premier ministre sans propre cap gagner pour recevoir, c'est direction générale la police là avec ministre la justice. Mais c'est vrai, l'appareil a été commandé. Côté les pas qu'à dire nous, moi pas premier ministre depuis avril, ça fait déjà 2 ans. Donc so, pas connait si appareil a venir, s'il pas venu parce que moi pas dans l'état encore, moi pas au timon des affaires. Qui nature appareil? C'est environ 1.2 million de dollars. Qui nature appareil? Non, pas qu'à dire ça. Ça c'est stratégique, mais pas qu'à bon information comme ça. Et ça veut dire reprochons du ça que c'est lui-même qui parti pour même parti de barre village de Dieu qui fait situation. Ça y est pas ultime une petite, il pas de pouvoir ça, il pas de autorité ça non plus. Pas gain pour m'aider, m'gain pour prendre décision, m'été prendre décision qui était nécessaire dans moment. Est-ce pour éviter que gon massacre de la population civile en bas. Jodi on t'attendait et me pensais qu'on t'a incriminé, ou t'a culpabilisé, ou t'a condamné parce que m'té gon massacre qui t'a gain 200 000 moun mouri en bas village de Dieu. Ce n'est pas tout le monde dans le village de Dieu qui est bandit. Et si vous avez pris un bandit comme ça, vous avez déjà pris un déjà. Vous n'avez pas joué basket là en bas? Et moi, pas qu'on perd espoir, frère. Je n'ai qu'un espoir parce que bicentenaire, sur toute longueur bicentenaire, je n'ai pas de village de Dieu avant. C'était bicentenaire net. Je n'ai pas joué tout en bas parce que moi, je suis un bon bonheur. Ça veut dire que je passe un bon temps à jouer dans toute Port-au-Prince à n'importe quelle heure. Du jour et de la nuit. M'a kembe espoir là pour continuer espérer que village de Dieu la nettoyer tant que toute l'autre zone que moun pa ka fréquenter dans pays a la nettoyer et puis pour population en général à jouer basket tout côté à danser ti souris tout côté à danser carnaval tout côté. Ancien premier ministre Joseph Joute refusé ba position claire sous bilan Ariel Henry comme premier ministre. Li fait quoi contexte yo changé par rapport à Claire té nan poste là. Li plutôt attend Ariel Henry ak ministre présenté bilan pa yo. Li mandé population pa di espoir mais c'est le monde qui en bouleverse nan moment côté Joseph Joute. Mais écoutez, les choses sont difficiles. Moi même moi pa ka di et li sans bilan, moi pa ka di ça.
moi très mal placé pour me dire que le sans bilan. Je pensais que le gouvernement, le premier ministre qui est chef gouvernement, je pensais qu'il fait auto-évaluation, chaque ministre fait auto-évaluation. On attend que le gouvernement publie un bilan de ça réalisé pendant 2 ans. Ben, m'a dit population pas perdu espoir parce que le pays n'a pas qu'à disparaître et tout le monde n'a pas qu'à disparaître tout dans le pays. Et m'a continué dit yo et faire en pile prudence et la prudence est de rigueur et c'est pas parce que le pays d'Haïti dans situation liée qui fait moins dit prudence, c'est toute population dans le monde entier qui supposé très prudent parce que c'est le monde nous qui a viré et m'a attiré attention tout le monde sur ça qui a passé dans l'autre pays et l'autre jour là m'a lu dans le journal que là aux États-Unis ils ont eu je crois 397 attentats aux États-Unis. C'est-à-dire, c'est le monde qui a un problème, puis personne ne pensait que Haïti, c'est le seul qui a un problème, c'est vrai. Il y a des problèmes que nous n'avons pas besoin de gagner. Si nous mettons tête nous ensemble, nous travaillons ensemble. Mais je pensais, mise en commun, la fête le plus vite possible pour le pays à sortir dans ce pays. Policiers, direction générale de la police, là, le haut commandement de la police, c'est des spécialistes dans sa travail à faire. Et décision qu'ils prennent, c'est ça qui meilleure décision et c'est lui qu'ils prennent. À mon avis, c'est ça. Donc, c'est selon même, la police n'est pas capable de faire sécurité. Non. Je ne dis pas que la police n'est pas capable de faire sécurité. C'est lui qui nous gagne. Et si la police n'est pas là, ça nous est là, on peut multiplier le passant. Je ne veux pas faire comparaison. Ça. Parce que, écoutez, mais c'est même bagaille. On pas qu'à dire le même bagaille parce que chaque gouvernement gagne un problème yo, chaque gouvernement gagne contrainte yo. Et moi très mal placé en tant qu'ancien premier ministre pour me juger premier ministre Ariel ou bien pour me juger un ministre ou bien gouvernement qui là. Moi très mal placé parce que m'pas dans situation yo. M'pas dans situation yo, m'pas parler avec yo non plus. Donc m'pas connait qu'est-ce qui problème que yo gagne, qui contrainte que yo gagne. Parce que moi même avant me juger un monde et nous connaît mieux que moi que ça me connaît m'a dit nous les gens doué dire parce que j'aime pas ça à côté pour me répondre non mais pas participer à aucun niveau que ce soit gouvernement pas participer à aucun niveau que ce soit dans l'insécurité qui gagne aujourd'hui bon ça me pas doué faire c'était démissionner jusqu'à ce que vini au président assassinat. C'est ça seulement, c'est ça le regret. Ancien premier ministre Evans Paul, quoi, c'est pas force intervention militaire qui a porté solution, doué gain plutôt y a conscience qui prend pour joindre en tête pour joindre solution à crise là. C'est vrai pas que société côté tout monde d'accord, mais faut que nous arrivions côté nous entendre nous pour bien-être pays en côté Evans Paul pour plus de détails. Faut ça rentrer dans pays depuis 1992. En pile force entrer dans période coup d'état, force entrer par la suite. Mais nous pourquoi jouer une solution, hein, non? C'est pas force internationale qui a porté solution. Son prise de conscience entre nous-mêmes haïtiens. Mais prise de conscience, c'est dans tout son rêve. Faut qu'il y ait une force interne qui émerge. Pas une société côté tout pour nous mettre d'accord. Mais faut qu'on côté monde qui voulait bien pour le pays. Mettre tête ensemble. Nous mettre faire quantité blanc nous voulait entrer dans le pays. Nous mettre quantité résolution Nations Unies. Tout autant, pas une dynamique majorité d'haïtiens qui voulait bien pour Haïti, qui voulait la paix, qui voulait progrès, qui voulait manger, qui voulait travail, qui voulait justice pour le pays, n'a toujours passé à côté. Nations Unies, plein problème dans le monde. C'est pas Haïti qui a venu résoudre problème nous gagnons entre nous. C'est vrai, nous, membres Nations Unies, nous ne pouvons pas dire que nous ne jouons pas rôle. Mais la première responsabilité, c'est nous-mêmes. Ces messages, vivre ensemble. Vivre ensemble, pas vle dire pour nous tous d'accord sur le même bagaille. Mais vivre ensemble, vle dire pour nous yon accepter l'autre la gen doit exister. Eh bien, là, on a parlé de justice. Li pas marché sous rumeur, li marché sous procédure. Quel que soit mon nom, yon ka toujours mettre en question, yon ka suspect li. Mais faut gagner une procédure qui soit inculpé li soit blanchi li et c'est ça qui crise haïtienne chaque monde dit ça ou voulez laissez pas un journaliste haïtien son journaliste étranger et comme pas gain justice cap trancher chaque monde quoi ça ou voulez société a pas qu'à marcher comme ça avant président Jovenel était mort il était suspect lui de toute bagaille il était accusé de toute bagaille jouk li mouri mais il pas mérité mourir pour ça qui fait je dis nous son pays qui en débandade personne pas connaît ça qu'a privé demain nous vraiment pas gain direction nous pas connaît côté
calé moun nan grand goût instabilité kidnapping insécurité problème courant problème glo problème travail. C'est l'incertitude totale. Tarif là pas commencé avec le premier ministre Ariel Henry. Nous avons un ambiance de contestation qui a duré. Il y a un ambiance de contestation, malheureusement. Nous pas bailler tête, nous force pour nous trancher. Tout le monde dit qu'il n'y a pas d'accord. Mais nous pas cap dégager la dynamique qui peut dire ce qui nous sommes d'accord. Je dis à sous ta fond micro-trottoir, ou pas le pile monde qui dit qu'il n'y a pas d'accord avec le premier ministre Ariel Henry. Il y a peut-être gain raison. Il y a peut-être gain un pile élément qui a justifié la position. Mais demandez ce qui est d'accord. Nous plus d'accord sur ça, nous pas d'accord que nous mettons d'accord sur bagay qui est bon pour nous tout avancer. En aujourd'hui, suspendre d'accord sur désaccord pour nous voir si nous créons une dynamique, perspective qui a fait avancer vers le changement, vers le progrès, même dans le désaccord. Ancien Premier ministre Jacques Lafontaine Soubopal proposait dialogue pour sortir pays en crise liée. Journée aujourd'hui, journaliste là, t'a posé une question sur déclaration qu'il a fait quand elle t'a dit PHK prend pouvoir pour 50 l'année. En côté Jacques Lafontaine. Écoute, ça c'est servir d'abord, c'est ça le Rotary. Nous là pour nous servir, et puis je veux dire, nous avons une passation, nouveau président. Donc c'est l'année rotarienne, nouvelle année rotarienne qui commence en juillet. Donc nous là pour nous servir la communauté. Nous. C'est sentiment ça, un sentiment pour Haïti tout, un sentiment de changement, un sentiment que nous, tous Haïtiens, il faut nous mettre tête nous ensemble pour renouveler le pays. Merci beaucoup. Crise politique, là, on garde que Haïtiens, Haïtiennes mettent tête ensemble pour nous résoudre la crise politique. Tu as dit pouvoir PHTK là pour 50 ans, aujourd'hui à l'aise. Écoute, je ne vais pas dire non qu'une réunion formelle. Je vais mettre tout le monde comme ça. Je te dis non situation particulière. Maintenant, l'heure est à l'unité. Merci beaucoup. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça, nous tous haïtiens pour nous mettre tête ensemble. Merci. Situation moun k'ap vive dans 4e section communale Fond Blanc, tout moun konnen sou nom Kazal qui trouvé dans commune Kabaret Malou Kampil. Pa gen l'hôpital, pa gen route, pa gen présence la police, moun sa yo sensé livré ak pwòp tèt yo. Ginette Lucien qui se yon agent communautaire dans zone si la mandé autorité yo pour faire intervention rapide dans section yo manye pour résoudre problème population a fait face. An kote Ginette Lucien. Section communale Fond des Blancs, c'est 4e section en dans commune Cabaret. Les gains en superficie 213.89 km² sous 204.29 km², ça qui fait des lits pigo section dans 4 sections communes nan gagné. 4e section communale Fond des Blancs gagne une population de 47 000 moun. Gagne 202 santé qui a fonctionné malement, sans matériel, sans équipement qu'il faut, gagner yon l'école nationale, yon lycée, ak yon tribunal de paix. Population ap vive sans aucune assistance policière. Yon a pi gros problème, population 4e section ap fait face, c'est problème route là. Sorti dans centre-ville là qui s'est cabaret pour entrer dans 4e section, circulation c'est une casquette chinois. Puis gros handicap, les va voyager sur route là, c'est l'arrivée dans zone Sophie. Pour encraser depuis plusieurs années. Rivière a fait gros dégâts. Mais machine avec moto qui fait route là, obligé passer dans rivière. Les moments pas gain la pluie mais les gain la pluie rivière en creux circulation venu très difficile donc je dis à population qui vit dans 4e section mandé pour l'état qui fournit gigade nous parce que nous la gain à la dérive pas gain personne qui penser avec nous. Problème route, c'est problème développement. Nous lançons un SOS avec l'État pour capable fournir et garder dans qui mauvais conditions population 4e section à vivre et pour faire une intervention rapide pour nous-mêmes pour capable faciliter nous la vie, faciliter nous façon pour nous capable voyager.
secret population qui vivent dans la 4e section communale Fond des Blancs. Suite avec la présence délégation CARICOM en pays, il y a un communiqué qui sorti amis internautes. Nous avons eu connaissance de ça. Groupe personnalité éminente CARICOM qui était visité pays d'Haïti sorti 12 pour 15 juillet 2023, même j'en s'était prévoit, n'a fait rencontre avec un parti prenante haïtienne en Jamaïque 11 pour 13 juin 2023. Nalité pour poursuivre facilitation dialogue inter-haïtien pour capable jouer une solution à la crise qui a brassé le pays. Ni important, importance là, te baille avec une proposition majeure Jamaïque. C'est l'été gué là-dedans, engagement qui te prend pour premier ministériel Henri pour élargir au conseil de transition et puis former un gouvernement union nationale. Préoccupé par pouvoir qui est premier ministériel Henri a vu principal parti opposition politique et société civile là, te proposer un cadre gouvernance plus proche intention avec l'esprit constitution pendant de proposer une formation collège présidentiel bon côté premier ministre. Yo également souligné importance mais y confiance pour pas capable bien renforcer position yo té à mettre ensemble et puis signer n'a fait rencontre Jamaïque là une délégation conjointe Jamaïque. Pendant visite ça en dehors engagement avec premier ministre et puis parti pour notre principal politique avec société civile là groupe personnel éminent yo té rencontré représentant secteur affaires avec un groupe expert dans domaine sécurité droit moun ak groupe social marginalisé au côté idéo té utile conscient et formé médiation yo après temps groupe la mettait accent sur processus discussion yo dans l'idée pour mettre en place yo mécanisme qui a permettre pour avancer compte tenu difficulté qui gagne ak négociation yo qui impliquait en pile protagoniste objectif là atteindre en certaines mesures principe pour capable réduire groupe en négociation représentant gouvernement opposition société civile là c'est une taille gérable plus ou moins accepté. En attendant un résultat consultation interne par une trois groupes sur un projet protocole en négociation révisé progrès ont été réalisés dans réduction point pour te négocier. L'autre point positif concernant un large accord sur question élargissement au conseil de transition accueillant une plus grande cohésion dans les affaires sécurité. Question pour faire besoin assistance en matière sécurité, mais c'était formel qui ont été parlé sur ça. Groupe la recommande des discussions que discussion en différents groupes qui étaient faites depuis réunion en Jamaïque pour poursuivre dans l'idée pour capable réduire divergence entre protagonistes. Groupe la également recommandé à ce gouvernement importance mise en place mesures confiance. Groupe la indiqué intention pour retourner en Haïti dans semaine qui vient dans l'idée pour capable renouveler effort facilitation. Gè coordonnateur collectif 4 décembre qui pas caché préoccupation face à augmentation ka kidnapping yo dernier jour sa yo. Jean-Robert Argan critiqué responsable dans l'état qui pas prend mesure pour contrer ka réaction bandi yo mais plutôt attendre communauté internationale en côté Jean-Robert Argan. Reconnaissance de la kidnapping yo, mais la réponse qui était en principe bagarre de population qui prend en main ou en diminution, mais nous est-ce que la diminution nous pas connaît, mais n'est pas normal que subitement que réaction ça vienne très timide. Seul bagarre qui doit c'est que pour l'acheter c'est que chaque quartier commence à renforcer vraiment et que population prend en charge défense lui que coup madame ministre de justice a dit non on peut maintenant qui est mené par cadet parce que c'est comme si ouais que il y a un mouvement qui sont qu'aucun chaîne mouvement bien organisé à un niveau quelconque et cap géré avec terreur pays qui met nous comme ça comme quand je suis là-dedans et du coup, c'est pratiquement chaque coucou qui te rebouge. Même le premier ministre, lui-même, lui dit pour faire, il faut que c'est aux forces étrangères, il faut qu'on occupation étrangère qui vienne pour régler lui. Peut-être, mais on va dire qu'il y a un peu mieux, au lieu de faire ça, il te demande tout. Et l'autre institution locale, parti local, nation participer, non, ou prendre gestion payante, c'est ça que tu as. Mes résultats. Mais là, nous craignons que nous allons encore vers des tueries, vers des massacres, vers un kidnapping qui n'a pas de plus en plus fort et violent au niveau pays. Bon, ça fait mes résultats, c'était qu'il y a une collaboration entre la police là, et
la population qui t'a mené mouvement ça. Maintenant, la police, à un certain moment, t'a fait avancer et pour des raisons encore inconnues et inexpliquées, il était sous avancé le dos. Donc, finalement, même population lui-même, faut camper. Gen coordonnateur Defender International qui même lui-même tout dit gen gros qui est cassé façon insécurité hein, pas suspend mettre de l'eau dans la population. Joanne Mezius s'est mandé à l'autorité dans l'état pour résoudre problème là rapide dans le côté déclaration. Phénomène kidnapping dans quitter frontière baisser apparemment, il pas de baisser parce que autorité policière yo autorité de gouvernement te prend responsabilité, mais il te baisser plutôt par rapport à activité gang yo qui te choisi baisser de façon volontaire. Maintenant gang yo choisi relancer phénomène kidnapping là, yo choisi recommencer by panique. Donc nous constater que gang yo continue kidnapper moun et gen moun yo kidnappé qui fait bruit, gen moun yo kidnappé qui pas fait bruit. Donc l'état pas lui même qui gen momentum question baisser kidnapping non, mais plutôt l'état pas nonchalance, li pas inaction, li pas négligence li ou bien pas incapacité pour lui faire face à question kidnapping non, pas incapacité pour lui assurer sécurité population qui c'est premier bien, premier droit de l'homme, premier bien des citoyens. Nous constater que gang yo yo rendu compte que yo c'est seul chef, yo pa gen moun ki pou empêcher ou faire ça ou gen pou faire, yo pa gen moun pou ki challenge yo sou question kidnapping nan. C'est ça qui fait que yo continue à estimer d'aide dans famille haïtienne nan. Donc par le fait que l'état li incapable pour li ba sécurité, c'est comme si kidnapping nan li te vin un réseau qui te permet moun yo rentrer l'argent au niveau gang yo, mais maintenant réseau ça li vin actif pour la plus belle parce que l'état pas campé en face phénomène kidnapping nan vrai. Donc pour nous même nous croyons que il y a un problème fondamental qui posé par rapport à phénomène kidnapping nan, par rapport à phénomène gangsterisation, enfin un problème fondamental qui posé par rapport à problème insécurité a, c'est l'incapacité de l'état, l'incapacité des policiers, l'incapacité de toute chaîne sécurité haïtienne qui justement permettent que gangyo yo gen le large qui permettent que au lieu que yo ta gangyo ta après conscience pour dire bon y a si on fait y a quand même yo rend compte qu'il y a le champ libre pour agir. Il y va de la sécurité du citoyen, il y va de la protection du citoyen. En nous font revenir la question guerre qui gagne entre Ukraine avec la Russie. Au total 497 timoun mouri en pays Ukraine pendant la guerre qui commençait avec l'invasion russe 24 février passé selon un bilan qui est publié à mardi par autorité Kiev qui pas mettait là-dedans la mort ou bien qui la mort qui fait pendant territoire occupé par la Russie. Selon information officielle procureur pour Timounio, 497 timoun mouri ak plis passé 1077 blessés pour diverses raisons. San Kapabli nan une déclaration bureau procureur ukrainien nan communiqué la presse locale relayé. Région côté Timounio blessé ou bien touyan c'est dans Donetsk dans l'est pays et partiellement occupé par la Russie côté au moins 481 timoun blessé ou bien mouri suite avec attaque russe d'après média yo. L'autre région côté gen yon dizaine timoun ki blessé gen Dnipropetrovsk, Chernigov ak Lugansk. Yon la mo ki pi resan yo c'est nan ville Kostiantynivka nan région Donetsk côté yon attaque russe touye yon garçon, yon ti garçon 10 l'année puis blessé yon ti garçon 4 l'année et puis blessé 4 timoun ki gen an 5 pour arriver 12 l'année. Presque 3 ans après à début administration lien président Luis Abinader déclaré mardi que le pas satisfait dans niveau sécurité citoyen dominicain actuellement travaille qui en couyo sur application politique publique qui permet réduction indicateur. Moi pas satisfait niveau sécurité citoyen bien sûr moi pas satisfait. Moi t'a voulu réduire la moitié et c'est ça moi c'est sur ça m'a travail là. Déclaration le fait dans émission Oi Mismo qui retransmet par Diario Libre selon journal là président Abinader Nader souligné pendant 30 dernières années, te gen 3 préoccupations fondamentales citoyen yo, criminalité, chômage avec un coût élevé la vie. Merci Sévère. Mesdames, mademoiselles et messieurs, c'est moment pour nous faire un coup de pied dans le pays Australie et Nouvelle-Zélande côté mondial Coupe du monde femmes yo a déroulé. Pour plus de détails sur dossier ça, on nous suivre Jonathan Charles. Bonjour, bonsoir tout le monde. C'est toujours un plaisir pour nous capables de servir dans la rubrique sportive ça que Jonathan Charles lui-même l'a présenté nous. L'actualité, c'est la Coupe du monde féminin qui a déroulé
dans deux pays, l'Australie ensemble avec la Nouvelle-Zélande qui est dans le continent océanien. Mais là, premier match dans la phase de groupe qui est terminé. Gagné SofaScore lui-même qui publié 11 joueurs qui étaient bons dans le premier match avec goalkeeper sélection haïtienne. On a parlé de Kerli Teus lui-même qui dans goal. Kerli nous songeait devant l'Angleterre qui était effectuant faire 10 arrêts pour empêcher avec sélection haïtienne encaisser un carnaval goal. Yon équipe qui 4-1-3-2. Un goal Kerli Teus. En défense centrale, nous jouons Van der Graat qui sont néerlandaises avec Yon Sudoise qui est Yesdet. Père latéral, c'est deux Espagnols. Latéral gauche, c'est Carmona. Battle, lui-même qui c'est latéral droite. Au Espagnol, qui comme milieu défensif, c'est Abeyera. Et trois milieux offensifs. Endo, milieu offensif gauche. Miyazawa, milieu offensif droite. De Monsao, c'est deux Japonaises. Borges, Harry Borges, nous sommes brésiliens, ça qui font tripler devant Panama comme milieu offensif droite. Puis deux avant Santio, c'est Smith, les mêmes qui sont américaines, qui te fait deux goals devant Vietnam. Alexandra Pop, Almanza, nous sommes tout qui te fait deux cabes. Écrasante victoire, l'Allemagne te fait sous sélection Maroc là. Ouais, très très bonne note pour Kerli Teus, les mêmes. Qui en a un goal. On a toujours parlé des affaires Coupe du Monde féminin 2023. Deuxième match show a commencé déjà. Le groupe A dans le stade Wellington Regional Stadium dans le pays Nouvelle-Zélande. Stade avec une capacité 34 600 places. Dans la capitale, là, c'est Wellington. Mais de la Nouvelle-Zélande. Tombé, s'il vous plaît. C'est Philippines qui a battu 1-0. C'est mi terrain 27 ans. On a parlé de Sarina Isabelle Calpo Bolden qui fait goal là. Dans 22e minute de jeu pour Philippines. Pour Philippines, il y en a qui allé Sagna lui-même les fêtes dans le pays États-Unis, dans la ville Santa Clara, État Californie. Ouais, Nouvelle-Zélande lui-même qui tombé. On a fait qu'on est en depuis 2007. C'est la première fois une nation retombée dans la phase de groupe. Dernière fois, ça a été fait, c'était dans l'année 2007. La Chine répond sévère 4-0 dans mes sélections brésiliennes. Philippines tout vini premier nation qui sorti dans continent nous dit dans confédération asiatique football là qui toujours prend goal dans phase de groupe pour premier participation dans affaire coupe du monde. Dernière équipe qui t'ai fait ça c'est la Chine de Taipei dans l'année 1991 toujours dans même groupe ça toujours dans groupe A dans Waikato Stadium dans la Suisse fait 0-0 ensemble avec Norvège malgré mesdames Scandinavie t'ai cadré 5 shoots. Et malheureusement, ça n'a pas suffi. La fait qu'on est Norvège qui a enchaîné un quatrième match, une colère à Claude, sans le poco goûter victoire dans la Coupe du Monde. Deux matchs nuls, deux défaites. C'est la première fois qu'il fait ça dans l'histoire. C'est la deuxième fois Norvège fait match nul, 0-0 dans l'histoire Coupe du Monde. La première fois qu'il fait, c'était dans l'année 1999, dans le match troisième place. Il était fait face à la sélection brésilienne qui était battue 5 tirs au but à 4. Ouais, Norvège lui-même, ça pas bon pour lui. La Suisse lui-même fait premier match nul li dans Coupe du Monde 2023 et déjà occupé premier place là dans groupe A ensemble avec 4 points. Si on regarde tout, c'est troisième match nul qui gagne dans la Coupe du Monde ça. Après, Jamaïque te fait 0-0 la France, Nigeria te fait 0-0 face Canada. C'est match nul et vierge. Mais c'est la première fois, tout match nul et vierge, ça a fait dans l'histoire Coupe du Monde. Dernière fois, tu as gagné deux matchs nuls dans la Coupe du Monde. C'était dans la Coupe du Monde 1999, 2015 et 2019. C'est deux matchs nuls qui t'ont gagné. On a quitté le dossier Coupe du Monde pour parler de dossier football transfert. Bon côté, monsieur Yo. Pour nous parler de dossier Harry Hidwalkin. Il y a un dirigeant bavarois dans le jour Cap Vinio pour offrir une troisième offre ensemble avec l'équipe Tottenham Hotspur. D'après Sky Sport Germania, dirigeant bavarois, pas trop inquiet, gagné un PDG équipe Bayern, Jan Christian Dresen, ensemble avec Marc Rönnepp qui était dans la ville Munich, et après président équipe Tottenham, Daniel Levy pour un rendez-vous sous dossier à Rekin. Non. Nous allons écouter en France pour nous parler de dossier football transfert avec Kylian Mbappé. Le même cas factualité qu'il y a, donc on est équipe. Il a là dans le pays Arabie Saoudite, de ça au fond a fait 300 millions d'euros pour être capable de jouer un service meilleur buteur Coupe du Monde 2022. Journal L'équipe lui-même titré
faites vos jeux. Paris Saint-Germain, lui-même qui a vigné tout en service Harry Kane. Barcelone, tout fait qu'on est intéressé sur ce dossier. Et nous dit, on a parlé de Kylian Mbappé. Ya. Mais là, nous voyons Mbappé, lui-même qui beaucoup dit un mot dans le dossier. Sa, et dans l'autre page, journal Le Parisien, lui-même, il fait qu'on est Al Hilal dégaine une offre à 300 millions d'euros pour Kylian Mbappé. C'est ça qui même yo fait qu'on est gagné un journal JT lui-même qui fait qu'on est le club saoudien a passé la vitesse supérieure en envoyant une proposition astronomique pour recruter Kylian Mbappé. Le PSG l'a autorisé à entrer en contact avec la star pour lancer des négociations. Même en Angleterre, tout c'est ça qui a fait actualité avec Tabloïd Desson lui-même qui mettait en affaire de 259 millions à 300 millions d'euros. Et le titre, le Paris Saint-Germain accepte l'offre record d'Al Hilal pour Mbappé et offre salariale 200 millions d'euros. Ça qui veut dire Mbappé t'a dit ça pour le toucher par semaine 4 millions d'euros si toutefois que transfert là t'a finalisé. Mais Real Madrid dit même beaucoup de pas cap rivé et dans un an encore pour le capable prendre Kylian Mbappé et Paris Saint-Germain même pas voulu pour jouer là aller sans qu'il pas faire comme ensemble avec lui. Journal des Guardians même titré Al Hilal lance une offre record pour Mbappé. Daily Express dit même mettait dans titre l'homme qui valait 300 millions d'euros. C'est ça Mbappé lui-même qui beaucoup dit dernier mot et qui sentit le jeune toujours pour ta aller dans pays Arabie Saoudite et pour ta retourner l'an prochain et que la libre donc ça là équipe Paris Saint-Germain seulement le besoin faire cob avec Mbappé pas ta vli pour Mbappé lui-même ta aller directement dans Real Madrid et gratuitement c'est ça même n'a fait qu'on est. Et puis nous pour aller dans pays Portugal pour nous parler dossier João Félix équipe Benfica lui-même qui t'a souhaité pour João Félix retourner dans équipe ça nous songe Félix qui était revenu à Atlético Madrid en 2019 et ça a été soutenu dans l'équipe Benfica. Mais là, et Colcho, Nerocho, eux-mêmes, ils ont voulu conserver João Félix, bien que les joueurs-là, lui-même, qui n'ont pas bien passé en Espagne. Il faut qu'on ait que Benfica ne veut pas laisser filer Félix. Il y a un contact permanent avec l'attaquant. Les Aigles insistent sur pour un prêt. Les dirigeants comprennent qu'ils doivent gagner du temps. La tournée de l'Atlético donne l'espoir, c'est ça que nous sommes capables de lire dans le journal dans le pays Portugal. Lui-même, il a voulu faire João Félix tourner. Fanatique, il même dans le pays Portugal, c'est ça qui est arrivé tout. Pour Félix, il même ni a tourné. Monsieur, lui-même, qui n'a pas du tout bien passé dans le pays l'Espagne. Avec Denis Fossé, on a mis fin dans la rubrique sportive là, Jonathan Charles lui-même t'a présenté nous. Moi dis merci parce qu'on t'a suivi avec attention, merci pour fidélité ou avec patience ou. Moi pour aller m'a quitter ou dans bras papa monche parce que c'est lui-même celle qui est capable de protéger ou la vie avec la santé. Bonjour, bonsoir tout le monde, nous pas M. Foucault, n'a pas croisé. Pita, dans l'autre vidéo. Bisous, one love.